La commune de Coubalan et celle de Cherbourg en France redynamisent et consolident leur partenariat et cela se traduit déjà sur le terrain avec un projet dans le secteur de l'éducation. Les thématiques précises aujourd'hui qui nous ont permis de recevoir M. Gabriel qui est là comme volontaire et qui va travailler avec les écoles, les chefs d'établissement et l'ensemble des parents d'élèves, les élèves eux-mêmes sur les jardins maraîchers à l'école. Les enseignants apprécient. Un grand impact pédagogique parce que les jardins scolaires nous permettent de mettre en application ce que les enfants apprennent à niester, surtout sur la vie de la plante et aussi en construction géométrique. Tout ce que nous mettons en théorie dans les classes, nous mettons ça en pratique au niveau des jardins. Dans ce programme figure aussi la correspondance scolaire qui revêt un caractère éducatif et altruiste, selon le maire de Coubalan. Voir comment rapprocher les peuples et permettre aux peuples de se comprendre, de développer leur personnalité, leur identité. En plus, il est prévu la construction d'infrastructures. L'école de réglementée de Coubalan va bénéficier d'un appui budgétaire de la mairie de Cherbourg en Cotentin pour la clôture donc de l'école de Coubalan. En marge d'une rencontre de présentation du projet, le maire de Coubalan a remis le matériel destiné aux écoles avec une orientation vers le matériel lourd de reprographie. Et moi, je voulais évoluer, voir des outils plus performants et plus adaptés en leur fournissant des photocopieuses, hein, puisque c'était une souffrance au niveau de notre territoire. Ils allaient à Jiguinchor, à Bignona, pour quand ils ont des devoirs standardisés à organiser pour avoir donc le nombre de copies souhaitées. Désormais, c'est fini. C'est un soulagement pour le collectif des directeurs d'école de Coubalan. Nous nous confrontons à beaucoup de difficultés pour le tirage des épreuves. Et aujourd'hui, il nous présente deux photocopieurs pour le codec. Vraiment, c'est un grand soulagement. Le maire de Coubalan et son équipe ambitionnent de poursuivre les efforts dans le secteur de l'éducation pour améliorer les conditions de travail des enseignants et des élèves.